Pas lui, au-dessus. Allez, bonhomme, c'est bien. Allez. Là, il faut s'avancer. Ça sort derrière. Allez, Anthony, vas-y. Anthony, il est deux. Allez, il est deux. Clément, il est bien décroché maintenant. Hein. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Voilà, Clément qui arrive. Allez, Mathieu. Et pas Clément, à la droite. C'est trop gonflé. Regarde ça, il peut pas rouler. Allez, Joe. Oui, il est revenu au premier tour, il était 13. Quentin ? Ouais. Un gars, moyeu rouge, il arrête pas de casser, c'est un... merde. Allez, laisse passer, allez. Quatrième derrière, vous allez, laissez tu passer. Reviens sur Clément, tu vois, allez, c'est bien, allez. Reviens sur Clément, tu vois, allez. Allez, Pascal, allez. Comment ça glisse ? Laisse passer, allez. Tout du long, t'as perdu de toutes les choses. Et dans les flaques de... Lui a perdu des places aussi, il était quatrième. Dans les flaques de boue, t'as la route devant qui fait pareil. Te suis route devant. Non mais, ça dépend comment tu comprends. Oh ouais. Ah non, j'ai mis 2 kilos. Un peu plus. Je peux plus enlever parce que je sens que je talonne partout. Ah oui, il faut taper. Hein. Mais ici, 2 kilos, c'est déjà beaucoup pour un peu. Je demande à Arthur à faire prudemment. Plus tu vas doucement, plus tu prends de la boule. Allez, Donc, ah bah ouais, toi t'es un fouté, toi.
Il vient de trouver un vélo maintenant pour faire pour la route. J'en peux plus, je vais quitter cette ville. J'ai compris. Allez, messieurs, deux tours, mais l'homme de tête est juste derrière. Donc il se peut que ce soit votre dernier tour. Il se peut que ce soit votre dernier tour, parce que Jean-Pierre Chalas va l'attaquer dans une quarantaine de secondes. Allez, le dernier tour imminent. On est à 45 minutes de course. L'épreuve va être un peu plus longue que l'épreuve de cyclocross. Anthony Bendetta boucle l'épreuve à 49 minutes. Ça y est, bah, je viens tandem. Alors, monsieur cherche un partenaire. Allez. Jean-Pierre. Je vous annonce, c'est votre dernier tour, hein. C'est votre dernier tour, c'est votre dernier tour. Allez Jean-Pierre. Parce que l'homme de tête est derrière. Chaque coup de pédale qui est battu à chaque fois, mais il avance quand même. Jean-Pierre Chalas. Dernier, c'est l'arrivée pour les filles. Dernier tour. Arrivé pour le cadet. Dernier tour, dernier tour, dernier tour. Voilà l'homme de tête. Dernier tour, Jean-Pierre. Hein. Dernier tour. Voilà, Jean-Pierre Chalas entame son dernier tour. Allez, dernier tour du sprint. Un garçon qui a marqué bien sûr le cyclisme d'outre-terrain. Dernier tour, c'est pour l'arrivée. Valorant, Valorant mon dernier tour. Ah, mais il y a son passé, hein. Ça m'a fait une minute, hein. On va faire les tours, on va faire un parking. Pour ceux qui ne veulent pas faire un tour de plus. Allez, dernier tour du parking pour l'arrivée. Dernier tour, les gars. Vous partez pour l'arrivée, hein. Dernier tour. L'homme de tête est passé depuis 10 minutes. Dernier tour, et pour ce manuel. Vous partez pour l'arrivée, les gars. Vous partez pour l'arrivée avec Samuel Le Duc, avec Bernard Pietlik. Un dernier tour encore à avaler. Voilà le second, le maillot jaune noir. Du second dans la ligne opposée. Vous partez pour l'arrivée, les gars. Vous partez pour l'arrivée. Et Anthony Erfoy passe à 1 minute 40. Dernier tour. 1:40, dernier tour. Allez, dernier tour pour tous. Vous partez pour l'arrivée. Vous partez pour l'arrivée, les gars. On est à 48 minutes. Dernier tour, Olivier. Voilà le troisième. Le troisième à 2 minutes. Le troisième, c'est Thomas Prigot, champion du Pas de Calais. L'arrivée pour la féminine. Allez, le dernier tour pour tous ceux qui se présentent avec Quentin Dubois, le champion régional, qui va passer avec un retard de 2 minutes et 20 secondes. Dernier tour, vous partez pour l'arrivée. De tête est passé depuis 4:50. Dernier tour, Cédric. Allez! Il débourre. Allez. 5 minutes déjà pour les gars. Le leader est passé. Allez, 5 minutes 30. Dernier tour, vous partez pour l'arrivée. Voilà, les allures de plus en plus heurtées. Les braquets qu'on a de plus en plus de mal à emmener. Le dernier tour pour tout cela. On surveille, voilà, l'homme de tête dans la montée, là-bas tout au sommet de la butte, le maillot blanc de Jean-Pierre Chalas qui va venir mettre un terme à cette épreuve. Dernier tour les gars, dernier tour, vous partez pour l'arrivée, une arrivée imminente pour Jean-Pierre Chalas qui aura résisté à Anthony Erfeuil, à Clément Pruvot et à Quentin Dubois. Oui, alors on demande à tous les volontaires et en particulier aux coureurs de Saint-André de
de rester bien sûr pour enlever le balisage. Attendez quand même l'arrivée des derniers coureurs. Hein. N'enlevez pas tout parce que le vainqueur arrive. Il faudra attendre encore une dizaine de minutes après l'arrivée de Jean-Pierre Chalas. Dernier tour, vous partez pour l'arrivée. Alors est-ce que ceux-là vont attendre Jean-Pierre Chalas ou est-ce qu'ils partent pour un tour supplémentaire? Dernier tour les gars, vous partez pour l'arrivée. Dernier tour, voilà Jean-Pierre Chalas, il est là. Dernier tour, vous partez pour l'arrivée. Allez, encore un et derrière, eh bien ce sera l'arrivée pour Jean-Pierre Chalas. Voilà, il y a des coureurs qui préfèrent attendre. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée, messieurs les coureurs. Jean-Pierre Chalas s'impose. Jean-Pierre, tu te couvres et tu me rejoins. C'est l'arrivée, les gars. Bravo à vous. C'est l'arrivée. Voilà. C'est l'arrivée. L'homme de tête en a terminé. C'est l'arrivée pour tous. Voilà, on va attendre, bien sûr, la lutte pour la deuxième place. Le mieux placé semblait être Anthony Herfeuil, c'est l'arrivée, hein, c'est l'arrivée. Voilà, le final pour tous, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, l'homme de tête en a terminé. Et on va surveiller bien sûr la lutte que se livrait Anthony Herfeuil, Clément Pruvot. C'est l'arrivée, hein, c'est l'arrivée. Et on va surveiller surtout le final d'Anthony Herfeuil. Voilà, Anthony Herfeuil qui a bien résisté. C'est l'arrivée, les gars, c'est l'arrivée. Anthony Herfeuil qui a conservé cette deuxième place. Tu mets rien, Jean-Pierre? Bon, alors Jean-Pierre, un parcours exigeant, en plus qui avait déjà bien été labouré par les autres courses. Une organisation exceptionnelle ici au niveau de ce Between Village. Bah oui, disons que, enfin, je vais peut-être faire, je vais peut-être mettre des personnes en colère, mais la FFC a eu sa chance, l'a pas saisie, vous l'avez rattrapé au vol, donc c'est super bien, bon bah il y a du monde, c'est un super circuit, une super organisation, moi je suis très content d'avoir gagné la première édition, j'en reviendrai la prochaine comme ça. Eh ben écoute, félicitations. Alors, c'est vrai que ce peloton était impressionnant, vous étiez quand même près de 150, hein, avec un départ pour lequel on craint toujours, bien sûr, parce qu'on souhaite ne pas avoir de soucis et d'accidents en particulier. Comment tu as géré ça? Plutôt sereinement? Bah, disons, le premier tour, comme je savais pas, entre guillemets, qui était là, et bon, j'avais juste fait un temps de reconnaissance, j'ai essayé de prendre la tête. Le souci, c'est que j'ai commis pas mal d'erreurs, donc ça m'a fait un peu douter. Et après, sans vraiment attaquer, j'ai vu que j'ai pris quelques mètres. Et donc pour moi, le plus dur, c'est toujours prendre quelques mètres. Après, une fois que je suis parti, en plus, sur un circuit comme ça, ça m'a avantagé pas mal. Voilà. Donc, parmi les participants, il y avait Tout le monde. Et puis, il a fallu taper tant tout au long de l'après-midi. Ouais, il y avait beaucoup de monde au départ. Et d'un coup de départ, c'était difficile de gagner dessus. J'ai réussi à rentrer dans les premiers buts, j'ai passé derrière au tennis. Et j'ai rentré, bon. C'était un peu dur à la partir de la défense, fort boueux. Mais bon, j'ai réussi à m'accrocher, je suis content. Ah bah je me doute, tu peux l'être. Allez, je vais me rapprocher de Ludovic. Ah, d'abord, félicitations, Ludo. Fort boueux, hein, d'abord, merci d'avoir répondu présent. Ludovic Capel, un garçon qui a remporté des épreuves comme à travers la Belgique, comme le Grand Prix d'Isberg, qui a été combien d'années professionnel? Une petite dizaine, on va dire. 10 ans pile, donc qui a connu les équipes AG2R, Landbouffe Crédit, pour n'en citer que quelques-unes, une équipe également de l'ex-Union soviétique, c'était Riutamu, oui c'est Riga, voilà, sponsorisé par une banque. Allez, quel regard tu as porté sur cette épreuve? D'abord très difficile. 60, donc il en reste beaucoup. Oui, il y en a qu'on ne va jamais retrouver. Il y en a qu'on ne va jamais retrouver. On aurait pu être sympa, on aurait pu lui éviter la remontée. Voilà, donc rendez-vous au sein de Bitcoin, hein, pour la remise des récompenses, pour mettre.
mettre à l'honneur. Ça y est, il y a des trucs, ça va, il y a des trucs. Vas-y, c'est très bien. Allez, allez.